Bonjour à tous, bienvenue dans Poker Actu Le Mag. Nous sommes sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, et nous avons rendez-vous à l'Aviation Club de France, un cercle que tous les joueurs de poker connaissent. Bon allez, assez parlé, on y va tout de suite. Ce mois-ci dans Poker Actu Le Mag, vous retrouverez nos indiscrétions qui vous plongeront dans l'actualité du poker. Nous nous pencherons sur le métier de croupier, ce sera notre dossier du mois. Nous vous proposerons le portrait d'un grand joueur. Nous analyserons un coup de légende particulièrement spectaculaire. Et nous terminerons bien entendu par le Zapping Poker. Mais en attendant, retour à l'Aviation Club de France, en compagnie de Bruno Fitoussi. Nous sommes donc à l'Aviation Club de France et j'ai la chance d'être avec Bruno Fitoussi. Bonjour Bruno. Salut, ça va Alexis ? Bien, très bien. Quand on s'est vu il y a quelques jours, je t'ai parlé des 9 vies de Bruno Fitoussi, la formule t'a amusé. Oui, est-ce qu'on peut revenir dessus ? Alors je sais pas, on les a pas comptés ensemble, hein, 9. Ça fait pas 9. Non, ça doit pas faire 9. En même temps, j'ai comme l'impression que ça va tellement vite, on oublie les choses. Je suis déjà d'un grand âge, donc j'ai fait plein de trucs. Oui, j'ai fait des études d'architecte, mais on va très vite passer là-dessus. D'abord, c'est il y a fort longtemps, et puis j'ai pas beaucoup pratiqué, je dois bien dire. Et puis très vite aussi, je me suis lancé dans la production musicale, dans la musique en général. C'était un petit peu plus que la production, parce qu'on faisait la distribution, etc. Avec des amis, parce que bon, c'est vrai que c'était aussi une passion. Je suis pas musicien, je sais pas chanter ni jouer du piano. Et puis le poker au milieu de tout ça, c'est d'abord bien entendu, comme tout le monde, j'ai commencé avec des amis, j'ai découvert ce jeu. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'internet, donc je jouais... On est à quelle époque à peu près là? On est en 76-77 à peu près, je passais mon bac en 77, donc on est à peu près dans cette zone-là, même si c'était intermittent, hein. Je jouais pas au poker toutes les semaines, c'était plus pour s'amuser qu'autre chose, et puis petit à petit, voilà, le jeu m'est rentré dans la tête, et je ne m'a plus jamais lâché, c'est vraiment devenu ma passion principale, et j'ai joué de plus en plus souvent, de plus en plus cher, avec de plus en plus de gens, des gens que je connaissais pas, jusqu'à à peu près, on va dire... 88, 89 à peu près, où là je jouais si souvent et suffisamment cher pour commencer à me poser la question de savoir s'il n'y avait pas autre chose en dehors de nos frontières que les parties privées, les parties bourgeoises à la maison, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à cette époque en France. Et donc là je suis parti en Angleterre. En fait c'est parce que j'avais rencontré des joueurs professionnels à Monaco, où je participais depuis plusieurs années déjà au championnat du monde de backgammon. C'est aussi une autre des cordes de mon arc, si on peut dire. J'aime beaucoup ce jeu aussi, j'y ai beaucoup joué. Et donc j'ai découvert à Londres le Victoria Club, qui est le plus ancien club de poker en Europe. L'histoire du poker est passée par le Victoria Club à Londres. Donc j'ai découvert ça là-bas. J'habite à peu près un an à Londres et très rapidement j'ai eu envie d'aller donc à Las Vegas, à la Mecque du poker, où j'ai habité aussi. Et donc ça, c'est toute ma période joueur professionnel. Et qu'à un moment donné, dans les années 94-95 à peu près, j'ai eu un peu moins envie de voyager, de passer mon temps entre les hôtels, les avions, les aéroports. On ne parlait pas trop de tournois encore à l'époque, c'était surtout des cash games. Mais j'ai eu envie de rester un peu plus à la maison et de voir grandir mes enfants. J'ai rencontré les dirigeants de l'Aviation Club de France à cette époque, le directeur des Jeux, et à qui j'ai proposé de faire de l'Aviation Club de France un véritable club de poker. Bruno, on va suivre l'actualité du poker. Ce sont les indiscrétions de Poker Actu. On n'a pas vraiment besoin de revenir à Vegas en novembre pour savoir qui sera champion du monde de poker, car le joueur de l'année, on le connaît déjà, c'est lui. Phil Ivey mérite plus que jamais le titre de meilleur joueur du monde pour ses performances et sa présence à la table finale du Main Event. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il est un parieur invétéré et il a parié cher sur son propre succès. Cette année, il a parié avec des joueurs comme Daniel Negren ou Phil Gordon, Eric Lindgren ou encore Mike Sexton.
Des paris stupides du genre qui remporterait le plus de bracelets, qui ferait les meilleures performances. Des paris qu'il a tous remportés. On estime qu'au total, ces paris lui ont rapporté 12 millions de dollars rien que cet été. Et si l'on ajoute à cela les 10 millions de dollars de gains qu'il a déjà cumulés en tournoi et le million de dollars qu'il est assuré de gagner en finale du main event, eh bien ça fait beaucoup d'argent. Mais non, nous n'avons pas oublié de vous parler du petit français, et oui, car il y a un français en table finale des championnats du monde de poker. Il s'appelle Antoine Saout, et inutile de dire que s'il gagnait, il créerait une petite révolution. Au passage, il empocherait une somme rondelette, 8,5 millions de dollars. Il va probablement faire des envieux. Dans un genre un peu différent, Lady Gaga, la chanteuse, a récemment été conviée à disputer un tournoi de poker à Macao. On le sait, les organisateurs de tournois ne savent plus quoi inventer pour faire parler d'eux, et le recours aux people semble donc un atout de premier choix. Il n'en reste pas moins que le seul fait d'arme de la chanteuse est d'avoir un morceau contenant poker. Ça risque de faire un peu léger quand même. Oui, enfin c'est bien joli tout ça, mais il faudra peut-être que quelqu'un lui explique que le poker ne se résume pas à chanter en armure. Alors on va reparler un petit peu plus de poker maintenant. Tu as dit tu joues depuis longtemps, tu connais le poker depuis très longtemps. Oui, un peu plus de 30 ans. Quel est ton témoignage sur l'évolution de ce jeu? J'imagine que c'est une véritable révolution. D'abord, c'était inattendu, personne ne s'attendait à ça. C'était principalement des cash games dont on parlait. Il y avait bien évidemment un nombre très limité de joueurs, très peu de gens jouaient au poker dans le monde. Il y avait très peu de casinos qui pratiquaient le poker. Auparavant, c'était vraiment plus l'image des rounders, des professionnels sur les routes qui jouaient là où il y avait des parties, là où il y avait de l'argent à gagner, là où il y avait des pigeons en quelque sorte. Le niveau n'était pas du tout le même. Certains que c'était à la fois plus facile de gagner quand on trouvait une table, mais c'était beaucoup plus difficile et de trouver une table et éventuellement d'être payé. Puis bon, voilà, le Big Bang des années 2000, un petit peu après 2000, c'est le World Poker Tour qui a mis le feu aux poudres, l'étincelle, accompagné en cela, parce que c'est souvent deux ingrédients pour faire exploser une bombe, il faut un détonateur, puis il faut un corps explosif. Alors lequel, le détonateur, je pense que c'est plutôt la télévision, et le corps explosif, c'est l'Internet. C'était les débuts de l'Internet, je ne sais pas si vous vous souvenez, Planet Poker, Paradise, qui étaient les sites leaders au départ. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, bien évidemment, mais c'est à la fois l'engouement des gens, des téléspectateurs, pour les émissions de poker, qui sont donc finalement très télévisuels, finalement qui correspondent à ce que les gens recherchent quand ils regardent une émission de télé. Il y a des personnages, il y a du suspense, on y retrouve un peu un petit peu de sport parce que c'est de la compétition, donc on s'attend à avoir des résultats, qui va marquer le but, qui va gagner le pot, etc. Et puis il y a le show aussi, il y a le côté un petit peu variété parce que les personnages sont, c'est vrai, assez amusants. Dans notre dossier du mois, nous nous sommes intéressés à une profession particulièrement en vogue en ce moment, croupier. On pourrait croire qu'un croupier de poker, ce n'est qu'un distributeur de cartes. Si c'était le cas, on aurait des robots en table. Alors, ça n'est pas le cas. Il faut aussi gérer le comportement des joueurs, savoir communiquer avec eux, gérer les litiges. Alors, c'est une formation qui dure un mois. Elle se déroule en quatre phases essentielles. L'apprentissage de la donne, l'arbitrage, le comportemental et la lecture des jeux, le paiement. Avant d'effectuer cette formation, je travaillais en usine, j'étais tourneur fraiseur. Et en fait, travailler tout seul face à une machine, ça ne me plaisait pas du tout, ça ne me convenait pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi une réorientation professionnelle. Nous trouvons en général des débouchés pour 80% de nos stagiaires dans la semaine qui suit le stage. Et pour 20% d'entre eux, ils n'ont pas de mal à trouver du travail dans les deux mois qui suivent. Alors les premières difficultés, c'est tout d'abord le calcul. Curieusement, on pourrait croire qu'avec un bac, tout le monde connaît ses tables de multiplication et une certaine méthodologie de calcul, et ce n'est pas le cas. Et la deuxième difficulté, c'est la communication. On a affaire à des jeunes qui ne sont pas habitués à parler d'une manière correcte dans les normes, on va dire, clientèle ou dans les normes marketing. Pourtant, lorsqu'ils vont travailler, bien qu'ils aient 20 ans, ils vont être en table et ils devront. Ce sont eux les chefs en table, ce sont eux les arbitres en premier ressort, donc il faudra bien qu'ils imposent un peu les règles et qu'ils imposent leur,
leur présence à la table. Quand même un travail très difficile, un travail de nuit, un travail où il y a de la tension parce que les joueurs jouent, sinon leur vie, au moins beaucoup d'argent. Les trois quarts des stagiaires savent jouer, mais ils connaissent uniquement 10% des règles, ils ne sont pas du tout conscients de tout le reste. Et ce sont des jeunes aussi qui en veulent parce qu'il faut encore une fois être capable de travailler de 2h du matin à 7h du matin non-stop. La première motivation, c'est que je joue au poker depuis assez longtemps et donc c'est la passion du jeu avant tout qui me donne envie de voir un autre aspect du jeu. Le gros souci des croupiers, c'est de trouver très vite un équilibre entre leur vie de famille, leur vie sociale et cette vie professionnelle de croupier qui, dans les trois quarts des cas, a lieu la nuit très tard. Cette formation coûte aux stagiaires ou à l'organisme qui le finance, car des financements sont bien entendu possibles. Le montant s'élève à 1 500 € TTC. Donc pour 4 semaines de stage avec 2 formateurs et avec tout le programme que je vous ai décrit tout à l'heure. Bruno, ce qui est fascinant dans ce reportage, c'est qu'on peut commencer croupier et progresser. C'est une des rares formations professionnelles courtes où on a vraiment un plan de carrière. Alors c'est fondamental ce que tu viens de dire et c'est plus qu'important. Le poker, c'est un jeu un tout petit peu différent des autres jeux de casino. D'abord, premièrement, le joueur de poker a quand même une psychologie, un profil, une particularité par rapport à d'autres jeux, à d'autres joueurs. Et ça entraîne nécessairement une attitude et une activité et une manière de travailler pour le personnel, les personnels confrontés en relation avec les joueurs de poker, donc les personnels dans les salles de poker, sont donc des personnels très qualifiés dans leur domaine, très différents. Donc c'est très important que les personnels qui dirigent la salle soient des gens qui ait vécu cette ascension à l'intérieur de l'établissement et à travers tous les postes. C'est vraiment très important, cette formation interne. Ça prend beaucoup de temps, c'est très long. Et c'est ça la problématique aujourd'hui qu'ont... pas la seule, bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais une des problématiques importantes et que les casinos français ont mal appréhendé jusqu'à présent, mal encore compris, ça prend des années, de nombreuses années, à former des gens capable de gérer pour le mieux une salle de poker, des tables de poker. Je recommande à tous les directeurs de casino en France qui regarderaient cette émission de comprendre que ce n'est pas parce qu'eux ont 20 ans ou 30 ans de métier dans les jeux, dans un casino, avec des joueurs de table, de blackjack ou autres, qui vont avoir une connaissance de ce qui se passe avec des joueurs de poker dans une salle de poker. C'est bien plus compliqué que ça. Nous passons tout de suite au portrait du mois, et ce mois-ci, eh bien, c'est le tien, Bruno. Bruno Fitoussi en image. Mais où s'arrêtera cet homme? C'est bien simple, depuis 2 ans, il est absolument incontournable. Alors c'est vrai, il a un parcours incroyable et sans doute unique en France. Mais c'est en 2007 que tout s'accélère. Pourquoi? Une broutille. Il termine second lors de l'épreuve de Horse des World Series. Un tournoi dont l'inscription coûte, tenez-vous bien, 50 000 $. Et qui, vous vous en doutez, à ce prix-là, est pratiquement réservé aux plus grands pros de la planète. Bruno Fitoussi vient de trouver l'apogée d'une longue carrière de joueur. Et comme le destin est parfois capricieux, il est opposé lors du heads-up final à son vieux pote Freddy Dib. C'est ce dernier qui lui ravira le titre. Depuis, je l'ai dit, Bruno est partout. Il commente les WSOP, mais on a aussi pu l'entendre sur Direct 8, l'apercevoir dans le tournoi des As, et si vous vous demandez qui est derrière le Grand Prix de Paris, eh bien c'est encore lui. Et il est bien difficile d'avoir une discussion sur les joueurs de poker français sans que son nom soit prononcé. Oh, il n'a pas que des amis d'ailleurs, mais c'est tellement mieux que de laisser indifférent. Et puis, avec un tel parcours, il y a forcément quelques envieux. Récemment encore, il s'est rappelé à nos mémoires en terminant 10e du magnifique WPT du Bellagio. Pour la suite, laissons-lui le soin d'écrire lui-même son histoire. Et en attendant, rendons-lui la parole, il a toujours quelque chose à dire. Bruno, t'as un vrai problème d'addiction, c'est pas le jeu, enfin c'est plus le jeu, c'est le travail. C'est la chose qui m'étonne le plus dans ma vie et autour de moi, mes plus proches, on va dire. J'étais un énorme feignant. C'est vrai? J'étais un énorme feignant, j'étais plutôt doué, donc souvent d'ailleurs, les feignants sont pas trop cons parce que il faut pouvoir être feignant, quoi. Alors
Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas comment peut-être ça s'est passé. Peut-être parce que ce que tu fais te plaît enfin. Ah non, mais ça, de toutes les manières, c'est pas enfin. J'ai eu cette chance de jamais eu à... Non, mais par exemple, architecte, ça... Non, c'est pas si que ça, c'est pas que ça me poursuivi, c'est que ça te passionnait peut-être pas autant. Voilà, ça me passionnait pas. Ouais. C'est pas que ça me plaisait pas. Mes études m'ont intéressé. Le métier d'architecte est très intéressant. Et pas autant qu'une passion que tu as choisi, que t'as été. Autant pour celui qui est passionné par ça. Hein. Il faut faire ce qui nous plaît dans la vie. Je crois qu'on peut pas vraiment rater quand on fait ce qui nous plaît. Le problème, c'est d'avoir le courage de le faire. C'est pas toujours évident. C'est risqué, c'est dangereux, bien sûr. Parce qu'on peut se casser la gueule et puis on peut avoir des grosses déceptions. On pose souvent la question des jeunes qui jouent au poker, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est ni bien ni mal, il faut faire dans la vie ce qu'on aime faire et ce pour quoi on est passionné. Moi je vois pas de problème aux jeunes qui veulent devenir sportifs professionnels et devenir joueur de football ou de tennis, ouais, ça me choque pas. Les gens qui veulent devenir acteurs, ça me choque pas. Il faut pas d'illusions, il faut travailler. Il faut Alors, bien évidemment, il faut être doué. Mais il faut quand même bosser. Il faut être doué, déjà, dans un premier temps. Il faut immensément travailler. Mais ça aussi, c'est une telle évidence. Il y a des choses qui sont tellement évidentes c'est dans évident, la vie que c'est les dire et toi, les répéter, c'est presque surprenant. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut ne pas lire de... Non mais rien. Parce qu'il y a quelques exemples de joueurs qui ont réussi comme ça. Ah non, mais ils ont beaucoup travaillé quand même. Mais il faut beaucoup travailler, ils ont beaucoup travaillé. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec passion. Donc, c'était pas du travail. Moi, je sais quoi, là, c'est quoi la valeur travail? La valeur travail, c'est pas la valeur ennui. La valeur travail, c'est la valeur simplement être capable de produire beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre aux autres beaucoup de choses aussi, bien sûr, en y consacrant beaucoup de temps, beaucoup d'abnégation. Il y a des choses ennuyeuses dans toutes les activités, de toute façon. Hein. Même jouer au poker, il y a des moments où on n'a pas de jeu pendant une heure et il faut jeter sa main. C'est ennuyeux au poker, c'est parce qu'il y a de plus drôle à faire, mais il faut savoir le faire. Donc, le travail, alors ça crée un problème. C'est que quand on le fait vraiment avec passion, ça prend du temps et c'est vrai qu'on plonge très très vite dans la passion. Et de la même manière, je suis quelqu'un de très passionné, donc quand j'ai fait les choses, je les ai fait de manière passionnée toujours. Et donc c'est vrai que ça bouffe beaucoup de temps. Donc voilà, quand je jouais professionnel au poker, je peux pas compter le nombre d'heures. Il m'est arrivé de rester 3 jours assis à une table où j'allais juste dans ma chambre pour prendre une douche. Alors le poker, c'est aussi des coups de légende, c'est pas toi qui aimes dire le contraire, Bruno. En voici un que nous avons commenté spécialement pour Poker Actu Le Mag. Nous sommes au tout premier jour du main event des World Series of Poker et il s'agit de la toute première main jouée. Les joueurs viennent juste de s'asseoir et l'action donc commence. Sam Farah, un des plus gros joueurs de cash game au monde, trouve une main potable, As-10. Il décide évidemment de mettre un petit peu de pression à la table avec une relance. Oliver Hudson, un joueur amateur, découvre une paire de 10. Il sait que Farah est un joueur agressif. Il est donc très probable qu'il le relance. Et voilà, il le relance. Décidément, pas mal d'action dans cette toute première main. Mais je pense que Sam Farah va payer pour jouer le flop. Et regardez le flop. Full aux As par les 10 pour Sam Farah. Full aux 10 par les As pour Hudson. Une rencontre absolument dramatique, surtout pour une toute première main. La parole est à Oliver Hudson qui check pour piéger Sam Farah. Sam Farah slow play également en checkant. Is in bad shape. He's got the tens full. He's not going anywhere. Hudson décide de miser pour valoriser sa main, la main qu'il pense légitimement être la main gagnante. Sur relance de Sam Farah avec la meilleure main. Et Oliver Hudson qui pousse son tapis, évidemment immédiatement payé par Sam Farah. Oh my God. Eh oui, oh mon Dieu, il est drawing dead, Oliver Hudson. Incroyable, c'est un coup incroyable. Oliver Hudson n'aura joué qu'une seule main de ce tournoi. Il a payé $10,000 pour jouer une minute et demie. Ça doit faire à peu près $110 la seconde. C'est probablement le tournoi le plus cher du monde à ce prix-là. He just blew through 10 grand in about 90 seconds. Those are Paris Hilton numbers. I had to win the first hand though. Et évidemment, Sam Farah est très content d'avoir doublé en une seule main. Sammy the first one to 20,000 chips today. Made it look easy. Bruno, la question piège.
es quelqu'un de très bavard. Comment tu fais pour rester 12 heures à une table de poker sans dire un mot? Tu parles forcément. Alors d'abord, en effet, là, c'est bon, c'est les gens qui viennent. C'est un plaisir en interview, mais c'est vrai que alors, tu dois. Alors, tu sais ce que je vais te dire, c'est qu'en fait, tout à l'heure, quand tu m'as dit, Bruno, tu as un gros problème, il faut bien le dire, la vérité, c'est que tu es workaholic. Ouais. Moi, j'ai pensé que tu allais dire, tu as un gros problème, c'est qu'est-ce que t'es bavard. Alors, ça, c'est un des trucs qu'on peut lire dans les forums quand les gens parlent de mes émissions de télé, que j'arrête pas et tout. Et les réalisateurs, monsieur Layani, vous savez très bien de quoi je parle. Oui, ça, c'est en effet un problème. Je parle beaucoup, je suis très bavard. Quand on me lâche, et puis moi, en tout cas, dans mon cas, il me semble que ça va un peu avec la passion aussi. Hein. Ouais. Ça se sent. C'est-à-dire que, bon, on parle là de sujets qui m'interpellent, même si des fois c'est un peu les mêmes questions dans le même cadre, etc. Finalement, c'est comme une partie de poker, hein. On n'a jamais fini, c'est jamais la même chose. Tout en étant la même chose, c'est jamais la même chose. Mais je parle à table, je parle beaucoup. Alors, ça permet de récupérer un peu d'informations aussi. C'est que je pense que le poker, bon, c'est évidemment pas que les cartes, la technique, les calculs de cotes, les mathématiques. Ouais. Il y a évidemment énormément de psychologie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la psychologie que la parole? Est-ce que la parole n'est pas finalement l'arme totale, l'arme dont on peut servir dans tous les sens du terme? On peut amener tout le monde à ça. Moi, je parle souvent de manipulation, pas dans le sens péjoratif de la manipulation. C'est-à-dire que la manipulation, c'est dans le business, c'est très important. C'est la capacité à négocier, c'est la capacité à convaincre, la capacité à vendre son projet, son produit, ses idées. Au poker, on vend sa personnalité, on vend à des gens. Alors bon, c'est pas que de la vente aussi, hein, c'est de la négociation, c'est de l'intimidation. Bruno, si tu permets, c'est le moment du zapping poker du mois. Phillips turns over a royal flush. Royal flush. Mabuchi, quad aces. You gotta be kidding me. Quad aces, your last hand of the main event. What a way to hit the rail. Four aces, royal flush. I give some love to the dealer. Hey, what's that? Well, what's that? One more time. I'm gonna show both of them if you look. Well, I'm not convinced. Hey, you. Fed up with the same old home game? Nobody taking the action seriously? Smelly food? Stupid betting? And heavy petting at the table? Well, how about trying the $10 million poker grand slam? Oh, God. Did I not raise enough? No! Man, I love the call, but I'm not very lucky in these kind of situations. Man, Bill, what's going on here? Don't send me home with the 10-9. Please don't send me home with... Of course I was strong, but strong or not, 10-9? Yes! John Robert loves the call now. No jacks and no sevens. Or queen. No jacks, no sevens, and I don't need any more pairs. It's a six. That's the card I'm talking about. Not over yet, John Robert. Did I tell you that you look very handsome today, sir? John Robert, he could still hit a seven. A copian with a straight draw. Balan thought it was over. Almost, John Robert. Bye-bye. Don't do it to me like that. That would be ugly. A copian needs a seven for a straight to knock out John Robert. River card. Oh! It's a seven. Balan is gone. Alors, je voudrais qu'on revienne brièvement sur la télé. Tu as présenté énormément de choses, des émissions très bonnes, d'autres un peu moins bonnes, on va pas citer de nom. Hein. Quel rôle tu crois que même des émissions de médiocre qualité, sans être méprisant, quel rôle ça peut jouer justement pour que cette base de joueurs s'élargisse encore? Je ne pense pas, alors jamais commenté d'émissions de merde, je pense pas. Mais on va dire celle qui est la plus mauvaise que j'ai pu commenter, je trouve est une émission d'un très bon niveau. Je ne pense pas avoir commenté... des émissions qui étaient mauvaises. Il y a toutes sortes de gens, donc je pense qu'il faut différentes émissions. C'est vrai que, pour parler des émissions de télé, c'est vrai qu'on a vu un petit peu de tout là-dedans. Il faut savoir que les émissions de poker à travers le monde, aujourd'hui, les chaînes ne payent plus pour ces émissions, à part de très rares exemples, comme par exemple les World Series ou les WPT, qui sont là encore un peu demandés. Mais toutes les autres émissions sont sponsorisées donc par des sites online qui, à travers ces émissions de télé, font la promotion de leur activité, de leur site.
Et donc là maintenant, on est dans le cadre de la promotion pratiquement uniquement. Et donc c'est vrai qu'on a, on a un peu tout vu. On a vu des choses vraiment inintéressantes. On voit encore des choses inintéressantes. Mais non, je pense qu'il y a la place pour des émissions pour débutants. Il y a de la place pour évidemment des grands championnats avec des émissions un peu plus techniques, un peu plus compliquées. Il y a la place pour la variété, c'est-à-dire pour le divertissement avec Pond et People ou avec, là il y a une émission qui va sortir bientôt avec je crois des sportifs et des joueurs de poker qui vont avoir une compétition ensemble. Donc, je regarderai, bien évidemment je regarde très peu la télé mais quand même je regarde de temps en temps une ou deux émissions de poker pour voir un peu où on en est. Surtout d'ailleurs ailleurs, à l'étranger, pour savoir quels sont les modèles proposés. On attend toujours un petit peu quand même... alors là, je m'écarte un peu de la télévision, mais il y a quand même une demande par rapport à la fiction. Je crois que là-dessus, il y a une recherche par rapport à ça. Il y a des essais, il y a des choses qui ont été... Oui, on a tous un petit peu un projet. Merci beaucoup, Bruno. Mais c'est moi qui te remercie, Alexis. Poker Actu, le mag, c'est fini. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. Salut.